Salut à tous et bienvenue sur Mister Blue Sky. Dans la lignée de l'épisode 11 consacré à la restauration du cockpit, ce 12e volet revient sur l'aménagement des coffres sous banc. D'origine, trois coffres ont des fonctions bien distinctes. Sont énumérés un coffre moteur, un coffre voile et un coffre dédié au matériel et à la batterie. Dans la pratique, avec un moteur hors-bord fixé sur la chaise du tableau arrière, la nourrice vient bien souvent se placer au contact de la batterie dans le coffre de poupe. Cela pose un sérieux problème de sécurité, vous en conviendrez. Mister Blue Sky voit donc ses coffres organisés différemment. Sur des supports adaptés, la batterie se situe dans le coffre voile, la nourrice se place dans le coffre matériel, le coffre moteur accueille dorénavant une bouteille de gaz. Envie de voir comment ? En avant pour trois étapes de bricolage. Première étape, la déconstruction. Dans le coffre de poupe, je démonte le support de batterie. Deuxième étape, je fabrique des supports pour recevoir une bouteille de gaz, une nourrice et une batterie. Ces supports sont stratés dans chaque coffre, liés à la coque, ils participent d'une certaine façon à la résistance. Je renforce les parois avec des strates de fibres de verre fixées à la résine polyester. Pour éviter tout risque d'avoir des vapeurs de fuel ou de gaz dans la cabine, je ferme également les parties hautes entre chaque coffre qui jusqu'alors laissait passer de l'air. Troisième étape. Je protège ces supports avec du gel coat. Et j'applique enfin une laque couleur beige à l'ensemble. Pas mal, non ? Pensez à vous abonner et à bientôt pour la suite.